Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Betoc, j'espère que vous allez bien, bon, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Last of Us Part 2. Et on est dans ce petit appart plutôt sympathique, on a fouillé bien sûr le coffre hein, que j'ai bien galéré au début. Du coup on va continuer dans notre lancement, on va aller à l'hôpital pour je ne sais quelle raison. Je crois que c'était pour aller chercher l'informatrice qui connaissait un peu la position de Abby, normalement si je dis pas de bêtises. Et du coup, on va essayer de voir ce qu'on peut récupérer ou ce qu'on ne peut pas récupérer. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. En espérant ne pas avoir trop de problèmes sur la Voyons un route. peu ce qu'il y a là-dedans. Du coup, j'avais fouillé ici, je m'en rappelle. Donc, ça sert à rien que je revienne. Peut-être moyen d'ouvrir cette porte qui est à l'avant. Parce que bon, il y a peut-être moyen que le verrou soit. Ouais, le verrou a été mis. Du coup, on peut se barrer. Du coup, aussi, j'ai récupéré pas mal de choses. Du coup, je vais voir ce que je peux améliorer. Je pouvais améliorer, je pense, si je dis pas de bêtises, améliorer la vitesse d'exécution rapide. Parce que je trouve ça vraiment intéressant. Parce que, bah, forcément, la furtivité, ça permet toujours d'économiser des balles. Du coup, hop, on va remettre cette petite compétence. Voilà, et donc du coup là on va pouvoir exécuter beaucoup plus rapidement, ça va vraiment être intéressant pour nous. Et là on va devoir trouver un moyen pour passer. Théoriquement je crois que j'ai trouvé le moyen. Ça va pas être si compliqué que ça, voilà. Et ensuite, à voir si on peut passer par là. Théoriquement c'est fermé. Du coup il faut une poubelle, ou il faut quelque chose. On peut essayer de passer par là. Attention, benne interdite sur la rampe. Ça, on le savait, ça. Attention, pente glissante. Ouais. Ouais. Alors, pente glissante, moi je m'en fous un peu, hein, mais bon. À part péter la porte de garage, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis une sorte d'avertissement pour pas qu'on lance la benne. Ce qui est logique en soi, c'est qu'on va la faire tomber. Hein. Voilà, hop, ça part. Ça, c'est emmerdant, ça. Ça s'ouvre pas, c'est un peu chiant. Y a pas un moyen d'ouvrir, bah ouais, je suis bête. Ça fait un bruit pas possible. Ah, ok, je viens de comprendre la mécanique. D'accord, d'accord. C'est pas si compliqué que ça en fait. C'est pas si compliqué. En fait, faut juste la mettre là. Voilà. Et puis, il faut bien courir comme un fou. Voilà. Moi, c'est sûr que ça passe. Yes. Ce génie. C'était du génie. Je ne veux rien savoir, c'était du génie. Hop, on pose ça là, on monte là, on remonte ici, on descend et on continue. Ok. Attention, on sait jamais s'il y a des clés morts, hein. J'aime pas du tout ces endroits. Des petites clés morts par-ci, des petites clés morts par-là. Boum boum boum. Non, c'est pas par là. Parce que c'est par là, je présume. Hop hop hop. Yes. Oh là là. Voilà l'hôpital. Qu'est-ce qu'il est beau l'hôpital? Il est plus loin que je pensais. Ah, moi aussi je pense qu'il était plus loin, bah bref. Un peu space. Alors ici théoriquement on peut passer. Alors j'évite de fouiller comme un taré cet endroit. Mais bon. Il y a toujours moyen de descendre. Hein. On passe par là. Oh! Voilà, maintenant on saute par ici. Voilà, théoriquement c'est bon. Toujours un peu de platforming. Y a rien de space autour. Là on a un endroit. On n'a rien de spécial. Allez, on se barre. On fait notre petit détour comme d'habitude, hein. Hop 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 hop. Voilà. Hop, on ouvre. Il n'y a rien de spécial ici. Oh, ça sent le claqueur à plein nez là. La bonne odeur. Oh, ça pue là-dedans. Ah, c'est plutôt une odeur dégueulasse. Bon,
On s'abstiendra. Yes. Un cadavre. Tout ce que j'aime. Il a été bouffé, hein. Putain de Wolf, tu l'as bien cherché. Ouais, ouais, mais s'il a été bouffé, ça veut dire qu'il y a des petits zombards quelque part, hein. Oh, merde. Putain. J'ai eu trop peur. Attends, on redémarre. Voilà, s'il te plaît. On va essayer de la lancer là. J'ai entendu un zombie, hein, je suis pas fou. C'est pas bon ça. Non, super. Ouais. J'aime pas du tout cet endroit. C'est pareil pour ici. Non, oh, la lampe c'est pas le moment. Oh, merde, ça craint. Sentez la merde là. Il a pas bougé son cul. Bah vie quand même. Il rigole pas, c'est il. Du coup, c'est de l'autre côté. Prépare aussi des munitions d'arc. Jamais des cocktails, on sait jamais aussi. Je vais sortir le flingue, hein, parce que là on va ôter le silencieux. De toute façon, je m'en fiche pour l'instant, c'est pas essentiel. Oh shit, c'est des rôdeurs. Comment tu veux t'occuper des rôdeurs? Alors les rôdeurs, c'est vraiment des trucs qui se cachent dans l'endroit. Merde. Comment je retourne dehors? Ok. Ah, le problème, c'est qu'ils font un bruit pas possible. Bah, moi, je fais un bruit pas possible. Si je prends une bouteille et que je la lance. Ah, une bande d'enfoirés. Il crame. Il y en a un qui crame dans le tas là. Non! Non! Dégage! Ouf. Tiens! Oh putain! Voilà! Y en a encore? Oh, c'est une blague. C'est truffé de rôdeurs? Oh, mais. J'en ai déjà cramé un, donc ça c'est bien. Même deux, je crois.
Il en reste encore. Ouais. Il en reste encore. Là, j'en ai vu un. Venez là, venez là. Garde-les, regarde-les. Garde-les, regarde-les. Garde-les, regarde-les. T'as vu combien ils sont? Y'a pas moyen de les réattirer un petit coup là? Genre j'ai pas une brique, une bouteille quelque part, genre quelque chose qui pourrait les attirer un petit coup, parce que bon, me taper trois trucs en même temps, laisse tomber. Trois rôdeurs, malgré qu'ils se cachent comme des saloupiaux. Oh putain, ils sont là. Non, non, dégueule, dégueule. Putain, foiré, foiré. Venez là, venez là. Viens, viens, viens. C'est bon là, ça ouvre. Non, reste un. Ah ouais. Touche plus. Foiré. Putain, il m'a fait peur. Foiré. Ils sont toujours là, hein, à chaque fois, ces petits rôdeurs de merde là. Hein. Par contre, vous régalez niveau truc. Y'a pas moyen d'améliorer. Ouais, y'a mon. Ah, j'ai déjà amélioré l'arme. Donc c'est un peu mort. Par contre, pour confectionner, moi je dirais pas non. Hein. C'est surtout des flèches, ça pourra toujours nous servir. Putain, les rôdeurs, c'est vraiment les pires zombies. Ils te chopent par surprise, putain, t'as envie de gueuler quand ils te chopent. Là, il m'a eu par surprise ce bâtard. Hein. Moi je croyais qu'il était vraiment pas à droite. Hein. Oula, par contre, ici, c'est vraiment. Ouais, là, c'est Gonzola. Genre, il y a des trucs de partout. On a des bouteilles, donc ça c'est bien. Mais pourquoi elle peut pas en stocker plusieurs de bouteilles? C'est pas logique. On pourrait en plus. Moi je trouve que ça serait plutôt intéressant. Du coup faut péter la fenêtre. Imagine. Hop. Yes, on est à l'extérieur. Qu'est-ce que je devais observer? Ah, l'hôpital. Réfléchis, il faut peut-être sauter de l'étage quand même. Sinon ça va être une galère. Ah, je me dis bien. Let's go. Oh, c'est passé. Putain, niveau saut là, tu te pètes quelque chose. Ah ouais, là ça tue. Faut que je retourne à l'intérieur. Et ouais. Du coup, faut que je descende. Putain. Fuck. Et je parie qu'à l'intérieur, il y a encore des zombies. Merde. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Ok. Faut que je rejoigne la rue. Pas bon, pas bon. Infecté. On l'a entendu. Hein. Munition de fusil à pompe. C'est pas bon. Vraiment pas bon. Donc du soin, parce que là, putain, on a pris tarif quand même. Est-ce que c'est encore des rôdeurs? Si c'est encore des rôdeurs, ça fait un peu chier. Ah ouais, putain. Bonjour le rôdeur, vous allez bien? Tiens, viens. Non, tu vas brûler un petit coup. Brûle, 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 brûle. Premier qui vient, je te jure que je le plante.
Non, 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 reviens, 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 reviens. Voilà, chut, et puis point. Voilà, merci bien. Tu dégages. Bon, excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec le record, mais t'inquiétez pas, c'est revenu. Alors, on était tranquillement en train de faire notre petit combat. Apparemment, il y a encore des infectés. J'espère juste que je vais pas avoir de soucis, puisque j'ai l'impression qu'il en reste encore quelques-uns. Après, je suis pas sûr. Hein. J'aime pas trop le fait qu'il y a rien du tout, en fait. Genre vraiment ici c'est truffé de cordyceps, donc laisse tomber. J'ai trop peur de me faire chouraf par un rôdeur qui traîne quelque part. Ouais. Ça a pas l'air d'être très très utile. Si à moins de refaire un cocktail, ouais, parce que le cocktail je trouve ça trop pratique. Pour les zombies surtout. Venez dans le feu. Ah ils sont pas si fous que ça quand même. Ouais ils aiment pas le feu. Ils sont pas si con que ça. Hein. Attaque éclair. Voilà. Ouh. Il reste le dernier. Qui est quelque part ici. C'est pas si loin. On va le choper. Fais pas de bruit. Viens ici. Ta gueule. Voilà. Fallait pas, fallait pas. Bon. Faut que je me bouge. Fallait pas, fallait pas. Normalement, ça devrait être bon. Ok. On peut y aller. On force la porte, on force! Merde. Oh le bruit que ça fait. Vite! 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 Oh putain, il sort d'où? Lâche-moi! Dégage! Oh non, il est encore là lui! Dégage de mon chemin! Quel bordel. Je suis où? Qu'est-ce que je fous dans les égouts? Oh my fucking god. Alors ça c'est pas bon du tout. Mais vraiment pas bon du tout. La souffle poche pareil.
On l'a dans le cul. Mais bon, je connais the technique. Voilà, hop. Pour passer. Maintenant, on remonte comment? Voilà, comme ça. Quel bordel. Bah là, on est dans le malin le plus total. Il y a des vannes, bon ça sert à rien. Bon, tu as pas mal de ressources, donc ça c'est cool. Non, 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 non. Quel enfoiré. Non, non. Putain. Non, non, non. Hop, raté. Dégage, dégage, dégage. Voilà. Quel enfoiré! Il est en train de se transformer ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain! Là il m'a mis mal! Après est-ce que c'était pas les zombies de tout à l'heure qui m'ont mis mal aussi? Putain! Ils sont pas bien dans leur tête à me faire des arrêts cardiaques comme ça là! Chaque fois c'est pareil! À chaque fois! Du coup ouais faut passer. C'est mieux de faire un cocktail ou du kit médical? Ouais, cocktail. Toujours servir le cocktail. Oui, je lis un jour le journal. Parce que là, je suis vraiment en retard là, sur le journal. Hop là. Et hop, le cocktail Molotov qui est éteint. C'est la merde, commandant. Donc là, il y a moyen de remonter. Il faut trouver la manière. Un spécial. Par juste des détritus par-ci. Y'a rien là. Moi. Même une planche en bois, ça va pas m'aider. Hein. On se le dise. La question c'est est-ce que je peux monter cette plateforme? Non, pas du tout. Alors comment faire pour monter? Oh non, on va pas devoir faire du platforming quand même. Ah si, en plus c'est ça, du platforming. Hop, hop. J'en ai marre moi à chaque fois que des zombies ils spawnent, mais genre pile à des endroits que je déteste. C'est-à-dire quand je suis en train de looter, je vois un zombie qui traîne, et c'est pareil pour le reste. Bon, par contre, là, c'est question d'équilibre. Ah, oula, pas y tomber. Là, on rentre un petit coup. Et là, on descend. Ok. Du coup, on peut remonter par ici. J'ai hâte de sortir de ce trou. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Et là, bizarrement, il y a un zombie qui nous attend à la sortie. Ça sent la bonne odeur. La bonne odeur du zombie. Du zombie. Quand même, quelle combattante, hein. On va voir. Le nombre de zombies qu'elle se tape, il y en a plus qu'en patrouille avec Joël, quoi. Okay. Parce que Joël, il veut tout le temps un sale boulot. Alors, théoriquement, où on est atterri, je pense qu'on est dans une sorte de trame de métro. Parce que, bah, logiquement, il y a des trucs de paiement et tout. Logiquement, hein. Y'a rien, je fouille tout de toute façon, je regarde le moindre détail ici. Là, on est dans une rame de métro là. Pardon. Ok. Vous êtes ici. Et l'hôpital, il est là-bas. L'hôpital est là. Je vais traverser le parc. Très très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Par contre, s'il y a des sifflements, c'est que c'est pas bon. Alors pas bon du tout.
Peu importe. Déjà, quand il y a un mec qui est pendu, c'est que c'est pas une bonne idée. Mais bon, on peut y aller, hein. Ouf. Ouf. Aïe. Ah, ça fait mal. Ah ouais, là, c'est fucking merde. Des mecs qui chassent. C'est pas des scars ou un truc de genre. Ah, bizarrement. Salut les cocos! Bon, en fait, on va les éliminer à distance. Hein. Viens, viens, viens. Viens, petit coco, viens. Aïe, aïe, aïe. Dégage. Voilà. Il me verra pas. Non. Camouflage. Sont cachés ces bâtards. Oh, bordel. Regarde-les. Voilà. Arrête de communiquer avec des sifflements, t'es pas un oiseau. On va voir si on peut pas se déplacer parce que là, je vois absolument rien. C'est bon, on a compris. Tu te tais. Hasta luego. Merci bien. Oh, une hache à moitié défoncée. C'est mieux de prendre celle-ci. Hein. S'il n'y a plus que lui maintenant. Ce serait con de gâcher une flèche quand même. Non, il en reste deux. Deux dans le tas, ouais, deux. Regardez ces petits enfoirés. Allez, viens. 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 Tu dégages. Voilà. Dans le dernier. You. Ouais, le dernier. Il en manque un. Il est pas tout seul, il en manque un. Voyez, oh, là. Chut. Voilà. Ah, maintenant ça me traque maintenant. Bah, je parie qu'ils ont pris possession de l'hôpital. Sûrement des scars. Peu importe. Les balles. Des balles. Pas pendu, Nora. Ah, parce que ça serait vachement con si vous pendez Nora. Ah, les scars, skiff. Bon, par contre, s'il y a des flèches, ça peut être bien, ça. Tout le temps prendre les flèches. Il y a un truc, là. Toujours en train de dessiner. Apparemment, elle a l'air d'être nickel, la hache, là.
toujours nous servir cette petite hache. Garden suite, est-ce que ça s'ouvre? Normalement oui, le loquet il est ouvert. Juste bouger la porte qui est littéralement moisie. Voilà, hop, ça sera beaucoup mieux. Oh le bordel. Okay. Le bordel. Toujours fouiller les casiers et tout. Bon, rien. Rien de spécial. Oh, du tape. Du scotch tape. Voilà, hop. On peut y aller. Pas de truc dans les distributeurs, malheureusement. Ça, c'est un hôpital, ça. Ça n'a pas vraiment la gueule d'un hôpital. Ça a vraiment pas la gueule d'un hôpital. Pas du tout, même. Ça a zéro la gueule d'un hôpital. Balle de flingue. Ça va nous servir, ça. Il n'y a pas un petit établi dans le coin? Parce que là, ça pourrait être plutôt intéressant. Oh yes, des trucs pour améliorer. Il n'y a rien d'autre. Là, c'est ciseaux. Toujours bien pour améliorer une arme. Et hop, du soin. Et encore du soin. Yes. Ça, c'est bien. Hop, on peut bouger. Si on descend, ça fait quoi? Il y a un autre endroit à passer? Ah ouais. Même un autre endroit à fouiller. Je crois que la porte, elle est fermée. C'était sûr. Ils ont pété la vitre. Yes, un cadavre. Oula. Si quelqu'un trouve ce mot, ma femme Peg m'attend dans l'ancien centre de conférence de pique et convention en face de pub. S'il vous plaît, donnez-lui ce médicament. Elle est enceinte et sans ça, elle risque de mourir. J'ai cru que je pourrais la rejoindre, mais j'ai perdu trop de son. Je courrai à travers les bois, j'ai entendu du sifflement, j'ai pris une flèche dans les côtes, je me suis caché ici. Je pense que je suis à l'abri, je vois pas qui pourrait m'arriver de pire. Je commence à avoir froid, j'ai piqué ces médicaments à l'hôpital, j'aurais dû prendre du sang au passage. Mauvaise blague, désolé, demandez-lui, j'ai un numéro de merde. Si vous voyez Peg, dites-lui que je suis parti en paix et que j'espère qu'ils seront heureux. Dites-lui que je l'aime et dites-lui que c'est un que si c'est un gars, je veux pas qu'elle appelle comme moi, qu'elle garde le prénom qu'on a choisi, Simon Vickers. Ah. Merde. Ça me dit quelque chose. Désolé. J'en aurais plus besoin que toi. De quoi j'en aurais plus besoin que toi? Genre du médoc? Ah ouais, parce qu'elle est pas bien. Ah ouais, elle est pas bien. Donc peut-être y a moyen de lui donner. Ah justement. Oh y a des... J'aurais tellement voulu tirer sur un pigeon. Mais bon, mauvaise idée. Bon, c'est vachement haut. Hein. Super. On va peut-être remettre le silencieux. On sait jamais. Voilà. On recharge les balles. Parce que ce flingue-là, il a quand même pas mal de capacités. Et ensuite, je verrai bien ce qu'on va utiliser. Hop, voilà. Ok. Oh, des balles. Je suis tellement en mode chien quand je vois des balles. Des balles. Allez, hop, on continue. C'est parti. Hop, Fedra, hôpital, cellule de crise. Cellule de crise, ça doit pas être bon. Vous savez ce que c'est, des cellules de crise? On devrait pouvoir passer. C'est quand il y a des trucs pas très catholiques hein, dans les cellules. Pitié, je vous en prie. Fais chier. Faut se camoufler, t'es là. Isaac prépare quelque chose. Je vais tout vous dire. Mais... Dépêchez les tendeurs. Ils se cachent. J'ai rien fait. Libérez-les. Oh merde. Ah, 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 ah. Il est libre à présent. Il est libre à présent. Cherchez des vagabonds.
puisse-t-elle nous quitter ? Ils ont une ouïe surdéveloppée ou quoi ? Tu es au courant pour Lily ? Oui, c'est vraiment honteux. Une vagabonde ! Tu es la Wolf ! Non, non, mais non ! Dégage, ouais. Ah. Putain. Putain. Ta gueule. Merde, ça tire d'où ? Chien ! Chien ! Voilà, dégage. Bouge ta tête, bouge. Ah ! Pardon ? Merde ! Ah ouais, mais ce bordel fini ! Comment tu veux gérer tous ces gens, y'en a partout ? Ok, bah écoute, on va bouger, hein, parce qu'apparemment ça va pas du tout. Comment il arrive à me voir alors que je bouge pas ? Bon, écoutez, apparemment ça a l'air d'être pas mal ici, donc voilà, ça va vite. Ouais, blablabla, et puis au bout du compte, hein. Voilà. Tu es la Wolf. Ah. Ah. T'es mort. Oh, non. Ils sont où? Chut. Tu t'es. Qui sont les derniers maintenant? C'est tout ? Je crois pas trop. Ah, c'est encore. Je crois pas trop. Petit marteau. On va garder le tome de la hache. Quel est ce bordel quand même? Oh, pour charge. Oh oh, il y en a encore. Il y en a encore. Je sais pas où, mais il y en a encore. Prêt des voitures! Ah putain! C'est bon? Quel enfoiré! Il y en a encore! Ah. Ouf! 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 Ah ouais! Ça fait mal là! Putain, on va déjà m'y arriver ou quoi? J'ai l'impression qu'ils sont partout ici. Il y en a encore des mecs en haut là. Fuck. Si ça va pas, moi, pas de problème, hein, on va s'amuser. On va s'amuser. Parce que je vois qu'apparemment, j'arrête pas de mourir comme une merde. Monte ta tête là, vas-y. Mmh.
C'est bon. J'ai raté ma flèche, mais tant pis. Encore des trucs ou pas? Non, mais on est encore au-dessus. Même quelqu'un en dessous. Quelqu'un en dessous. Putain, mais c'est un parking complet, ça. On en a encore un là. Vas-y, bouge, 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 bouge. Oh ouais, bon. Et voilà. Voilà, ce sera plus rapide. Il y en a combien? J'ai plus de balles, j'ai plus rien. C'est la merde. Je vais devoir les éviter. Hein. On va devoir économiser des balles. Hein. Parce que là, niveau balles, on est sacrément dans la merde. Il m'a vu. Il m'a vu. D'accord, il m'a vu. Quoi. Le problème c'est qu'ils sont 6 fois plus développés que les autres. Oh là là, le bordel, il y en a combien? Il y en a combien? Vas-y, par là. Je l'ai devant moi. Chut. Ah putain. Vite, grenade fumée. Attention, Miguel. Faut pas qu'elle s'échappe. Elle a tiré dans le bâtiment. Vas-y, viens. Viens, t'as l'air d'être sûr de toi. Même pas? T'as pas envie d'être sûr? T'as pas envie d'être sûr? Voilà, tant pis. Chut. Si t'as pas envie d'être sûr, y'a pas de problème. On peut te cuter quand même. Moi j'ai besoin de passer là, vous êtes beaucoup trop. Même archi beaucoup trop. Je peux pas passer du moment où vous êtes aussi nombreux quoi. C'est pas possible. J'ai entendu le bruit, d'accord. Ça va? Moi, j'y crois pas trop. Hein. Bah ouais, ils ont entendu. Hein. Ils sont pas foufous. Ils sont pas foufous. J'aurais dû mettre une mine. Comme ça, ils auraient pété. Une diversion. Déjà tu poses ça là. Vas-y, viens. J'ai envie de voir comment ça fait quand ça pète. Allez, pète un bon coup. Pète. Voilà. C'est ça qu'on veut. Les poules.
La porte. Okay. Putain, ça s'ouvre pas. Ah ouais, quand même. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Ouf. Putain, le gros gourdin qu'il a, lui. Oh, oh putain. Dégage. Non. Oh putain. Oh putain. Tiens dans la tête. Ah. Ah, c'est horrible ce passage. Non mais lui, par contre, il va se calmer en fait. Merde. Merde. Ah, en ce moment, c'est la mort, c'est mort simulator là. Ils sont partout, mec. Oh ta gueule. Ah ouais, ouais. Je te relève pas, mais tu vas pas te relever avec une balle dans la tête quand même. Ouais, tu te relèves pas en fait. T'es une putain d'enfoiré. Chut. Laisse-moi le marteau, s'il te plaît. Voilà, ça me servira. Putain. Quand même, je suis un sacré boulet pour me prendre tous les coups de la mort, hein. Hop, 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 vite. On fouille tout. Hop, 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 allez, go, c'est bon, on se barre. Moi, j'en ai rien à foutre maintenant. J'en ai plus rien à foutre. Plus rien à branler. Voilà. Encore ? Ah, mais c'est une blague. Putain de merde. Si, si, on a encore, c'est une blague. Bon. L'hôpital. Organique. Oh. Je lirai ça plus tard. Nouvelle branche d'amélioration explosif. Tiens, tiens, tiens. Nouvelle branche d'amélioration explosif. Bah donc, tu veux faire quoi en fait avec les explos? Y'a moyen de faire péter des trucs là? Parce que moi je suis intéressé, hein. Alors, voyons voir. Confection de flèches explosives. Ouh. Eh ben, piège explosif amélioré. Cocktail Molotov amélioré. Piège explosif supplémentaire. Des flèches explosives supplémentaires. Bah, dis donc. Ah ouais. Confession de flèche explosive, pourquoi pas, hein. Toujours moyen. Augmenter les rayons d'explosion, mais on va augmenter la stabilité, je pense. Je pense que ça sera ok. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, bon, c'était un petit peu semé d'embûches, mais bon, on a quand même réussi. De toute façon, je vais pas commencer à cutter tous les passages où je me fais buter. On peut voir que c'est quand même sacrément compliqué. Donc bref, de gros bisous à vous, ciao ciao, et puis à la prochaine.